super beau lac. Alors comme ça, Dave, t'as été recruté par Seal pour une capsule de pêche? Je pensais que c'était une émission de cuisine. Non. Fait que c'est toi le cuisinier ou c'est le pêcheur? C'est moi le cuistot. Bon, toi, t'es le pêcheur. Excellent. On se fait ça? Yeah, man. Dave, tu utilises quoi alors dans ton lac pour la chigan? Moi, en général, j'utilise les verres en caoutchouc comme ça. Tu m'as parlé de gros, moi j'ai amené du matos pour du gros, là. OK, tu veux aller après les gros achigans, là. Ouais, les très gros achigans. Tu m'as parlé de leur soupe, donc j'ai amené un petit hameçon en conséquence. C'est parfait, t'es bien équipé. On va en trouver des extra gros. C'est pas mal, ça, non? Yeah, c'est drôle. C'est pour pêcher le requin. Hey, yes, man! Un beau poisson, sans plus, non? Yeah, beau. Oh, yes! Good one, excellent, hein? Man! Super machigan. Ben, lui, on va le manger parce qu'il est beau et prêt. C'est peut-être un des poissons que j'ai pris le plus de ma vie et j'en ai jamais mangé un seul. C'est bon, dans la farine, dans trop de beurre. Dans trop de beurre. Trop de beurre. J'adore l'expression dans trop de beurre. Oh, ça, c'est beau, ça. Toi, tu rigoles pas avec les poissons, toi. Hein? C'est ça dont j'ai besoin pour cuisiner. Magnifique. J'espère que t'es meilleur à la cuisine. C'est quoi tu fais? Je vais t'adapter une recette que j'ai appris en Amazonie. C'est-à-dire que je vais mettre le poisson sur un grill. L'Amazonie au Québec. On va rouler le poisson dans l'écorce de bouleau. C'est beau. Ouais, il est à peu près comme ça. La bonne bière. Et c'est comme un poisson vapeur dans la corse de bouleau. Ça devrait l'assouplir un petit peu. La ciboulette dans le ventre du poisson. Et du thé du Labrador. Fraîchement cueilli. Et un peu de pomme dans le ventre. Céleri, t'avais dit? Ouais, céleri, ouais, comme je t'avais dit tout à l'heure. T'as tout enregistré, toi. Pomme, céleri, achigan. Exact. Et du beurre. Trop de beurre. Tu m'as appris. Toujours trop de beurre. Un peu d'épices? Ça, c'est une bonne idée. J'avais oublié les épices, mais tu vois. Et il n'y a plus qu'à le rouler. Le grill à l'amazonienne. C'est les Indiens qui m'ont montré cette technique. Tu mets des pics comme ça, en V. Et après, tu mets ta grille. Il faut que ce soit du bois vert, la grille, parce que sinon, le bois va se consumer plus vite que le poisson. Et le dernier, merci. Cool. On va voir ce que ça donne. Wow, gars, la vapeur. Mmh. Le céleri est cuit, yeah. Mmh. I'll do it. Wow. Hey, c'est cool de faire triper un restaurateur, quand même, non? Alors, qu'est-ce que tu penses de ma petite recette? C'est une belle recette. C'est cool, hein? Yeah, je suis épaté. Et puis, ça peut s'improviser n'importe où dans la forêt, quoi. Les grilles amazoniens, c'est super cool. C'est cool, ça, à vous, non? Même une viande, hein? Ah, tu peux faire une viande là-dessus, c'est sûr. Yeah. Dave. Thank you, Cyril. Hey, c'est merci. Vraiment cool. Merci beaucoup à toi. Super endroit, super pêche, la bonne bouffe, le bonheur. Excellent. C'est aussi simple que ça, hein? Yes.